Qu'est-ce que c'est donc? Vous allez me donner 5 mots, votre imaginaire ou des mots ou votre dictionnaire, je ne sais quoi. On va noter et que ces gens vont devoir jouer. Bon, ah, ils sont chauds, hein? Oh, oui, ils sont chauds! Allez, 5 mots, j'en veux un, allez! Procrastination! Comment? Procrastination! D'accord, c'est vous? C'est quoi la question, pardon? Deux syllabes! Toujours remettra plus tard. C'est toujours remettra plus tard. Ah oui, ah, d'accord. Le mec qui fait jamais les trucs, il dirait c'est mieux d'avoir plus de temps et puis il a jamais le temps. Voilà, c'est ça. Alors, petite définition peut-être pour les gens quand même un petit peu parce que. On est où quoi? On sait, mais pour les autres, on sait. Alors, monsieur qui a donné le mot procrastination, petite explication. Rien d'abord. Toujours remettra plus tard. Procrastination, c'est remettre à demain ce que l'on peut faire. D'accord. D'accord, un autre. Non, mais tu es clair. Bon levis. Ah oui, bien. C'est comment ça? Bon levis. Un autre. Confiance. Pardon, il y en a plusieurs. Le mot conscience. Conscience. Et Fujiyama. Conscience, il n'en reste plus qu'un. Usurpateur. Ça, c'est bon, ça. Rappelle quelque chose. Il y en a un autre que j'ai pas eu. Le mont Fujiyama. Voilà. Bien là. C'est bon. C'est bon. Ah c'est bon. Super. C'est quoi les mots? Procrastination, pont-levis, conscience, usurpateur, et le mont Fujiyama. Yama. Usurpateur. Vous êtes prêtes? Oui. Un jour, mon prince viendra. Un jour, mon prince viendra. Enfin, faut quand même qu'il se manne le cul, hein, parce que... Mais quand même, 100 ans que je l'attends, cette manie qu'il a de la procrastination, ça fait déjà longtemps qu'il devait venir. Mon Dieu, j'entends le pont-levis qui se lève. Il va tous nous les faire tous. Je regarde. Suif. Chevalier. Princesse. Attends, il a l'air plus bien celui-là. Ça va, princesse? Oui, ça va. Allez-y, le pont-levis, levis. Il fallait le descendre. Ah oui, j'avais inversé. Oui, mais ça faisait longtemps que vous deviez venir. Non, descendez pas. Bon, alors, abaissez-le encore. Enfin, remettez. Garde, allez chercher le bel inconnu. Garde. Ouais. C'est toi le bel inconnu? Oui, c'est moi. Vas-y, je vais me faire bêler, hein. Alors, on est parti. La chambre de la princesse. Oui, je sais, c'est juste, c'est un grand château, si tu veux. Je vais lui faire une surprise, je vais le mettre dans l'escalier. Je suis jamais venu, là, pour vous. Oui, moi, je fais plutôt le coin est. Ouest. Nord. Droite, la droite et la gauche, laquelle? Ouais. Bon, il se bat, du coup, ouais. Vite. Allez, on est parti. Ma surprise va tomber, allô. Oui, c'est parti. Alors, 8 heures plus tard. Bon, je sais que c'était par là, hein. On est passé... Deux fois qu'on est passé là, donc je sais. À un moment, il y a un escalier. Mais en fait, c'est pas de la procrastination, c'est de la connerie, tout simplement. Attends. Mais qu'est-ce qu'il faut? Mais je vais venir, attends. Mais qu'est-ce que vous foutez, là? Voilà, bon, vous cherchez... Mais je voulais vous faire une surprise dans les escaliers et tout. C'est pas grave, c'est une surprise. Eh ben alors je me remets, puis bon, on fait la surprise. Bon, je vous rappelle les mots quand même. La conscience, usurpateur et Fujiyama. Oui. C'est parti. Ah oui, non, mais c'est parce que j'ai. Oui. J'ai un problème de. Le trou de conscience. Voilà, c'est ça. Trou de conscience. Heureusement qu'elle me parle de temps en temps. Surprise. J'ai plus besoin de vous. Ma conscience m'a parlé moi aussi. Et je me suis rappelé de son odeur. Et avec son odeur, j'arrive à retracer dans le château le. Voilà. Ouais, surtout qu'elle est juste derrière. Mais ça va. Voilà, regarde, je suis là. Alors là, c'est juste derrière mon odeur. Je suis là. Bon, je vous laisse. Ah, il y a du taf. Ouais.
J'ai mis du temps à arriver, ta conscience, mais je suis aussi un membre de la constipation, de la constipation. Oui, oui. Enfin bref. Je connais ce mouvement. Tu sais, tu me parais bien... Perdu? Oui. Tu sais pourquoi tu es perdu? Parce que je n'ai pas de sens d'orientation. Mais non, tu n'avais pas vraiment envie de laisser aller cet inconnu. Tu es tombé amoureux de ton petit cœur. C'est pour ça que tu t'es perdu dans le château et que tu n'as pas eu envie de le laisser filer. Mais c'est vrai! Parce que moi, ça fait 2 ans que je suis là. Ça fait 2 ans que la princesse Oeil, là, je la vois, là. Ah oui, tous les gars qui rêvent. Ouais, bah ouais. À chaque fois, tu te perds dans le château. Exactement. Il serait temps que tu ailles un petit peu. Ah oui, elle est à moi! Elle est à moi! Princesse! Allez, derrière! Hey, te voilà, enfin! Je suis venu! Non! Mais attendez, il allait me dire d'où il était venu! Mais là, oui, mais c'est pas grave! Parce que l'important, c'est d'où je viens, moi! Ah, bah d'où vous venez alors? Oh! Vous avez un peu les yeux bridés, j'ai l'impression! Oui, je viens d'un mont! Ah bon? Oui, lequel? Le mont Fuji? Yama! Le mont Yama, c'est à côté, c'est pas loin! Ah, d'accord! Voilà! Voilà pour la raison pour laquelle je viens. Je ne peux pas me marier avec vous. Exactement. Mon père m'envoie en mission. Exactement. Je dois reconquérir le mont Fujiyama. Quoi? Attends, non, pourquoi? Mais combien de temps ça va vous prendre? Attendez. Peut-être autant de temps pour venir ici. Ah, parce qu'il y a beaucoup de choses. Vous ne voulez pas attendez. Un autre truc à faire en attendant? Oui, parce que... Ça, c'est pas grave. J'allais faire ma demande. 2 minutes. on se met sur la gueule. J'ai une idée. Si on faisait à deux. Non, ça, je mets pas sur la gueule, m'en fous, moi. Bah, on fait un truc, vous me demandez tous les deux en mariage, et puis on s'en fout. Et puis il y en a un qui part en vacances, et l'autre qui. Bon, bah voilà. Moi, je vous demande pas, moi, bah, je vous demande pas, c'est bon. Et ça fait 2 ans que je suis. Ah, bah oui. Oh, non, mais t'es con, quoi. Tu t'es perdu avec lui dans le château ou avec lui? C'est pas la conscience, là, c'est la science des cons. Attends, c'est avec lui que tu t'es perdu dans le château. Oui. Oui, c'est attends 2 secondes. Excuse-moi, bon, je suis conscient, enfin, intermittent, hein, je vais de réduire les budgets, donc je suis conscient pour toi aussi. Qu'est-ce que tu vas aller te geler les coups sur mon Fujiyama? T'en as deux, là, qui sont à tes pieds? Ah, oh, ils sont... Oh, c'est pas vrai. Oui. Mon père a tort. Ah, oh, bah, c'est trop tard, hein. Non, bah, c'est foutu. C'est trop dangereux, là-bas. Bah oui, je sais faire, j'en viens. Non, c'est pas foutu. Il est con. C'est pas grave, je vous ai demandé en premier. Ah bah ça y est, maintenant c'est lui qui nique, hein. J'adore. Oh, mon autre dent. Regardez, ah, je suis votre conscience à tous les trois. Ah non, bah j'en ai pas, ça c'est pas possible. Ah, ça décolle. Oh, je suis démasqué. Usurpateur. Oui. Ah, je suis une conscience usurpatrice. Mais c'est mon père. Mais que fais-tu ici, papa? Monsieur le roi. J'ai besoin de 3 cachets pour mon intermittence. C'est pour ça que j'ai voulu vous faire pour tous les 3. Je suis comédien. Je peux faire un ou une bonjour. Oh, salut, c'est beaucoup. Je peux faire plein de personnages. Voilà, je peux faire une conscience. Je peux faire ce que vous voulez. Emmenez-moi, mon Fujiyama. Sans monter une troupe de théâtre. Merci. Mais c'est... Moi, j'ai toujours rêvé d'être une artiste. Mais que font ces enfants derrière le polomie? Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette espèce d'énorme souris? Mais ce sera notre petit dingo. Tu viens de m'envoyer un château, une pièce de théâtre. Ah, c'est bon, là. Il est bien là. Ouais. Bon, bah. Il ne manque